Initiating system 1. System 1 loaded. Et how are you? C'est Kuncho et aujourd'hui je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mon histoire. 3. Réglage du couple. Ok, enchanté. Ouais, c'est le général, la confrérie d'acier. Donc, si j'ai bien compris où je dois aller, normalement, je dois aller parler Dance. Quelle est la situation? Tout est dans le vert. Rien de neuf. Bien. Poursuivez, chevalier. Ok. Félicitations. Promotion, chevalier. Merci. merci bien. Alors, donc là, je dois parler avec Paladins. Excusez-moi, Paladin Dance. Ah, vous voilà. Alors, comment ça s'est passé avec l'aîné Maxon? Entièrement dévoué à sa cause. On dirait qu'il croit dur comme fer à tout ce qu'il dit. Évidemment. Le contraire serait impensable. Est-ce que vous vous rendez compte du risque que j'ai pris en accélérant votre entrée dans la confrérie? Je ne veux pas vous mettre la pression, mais si vous tombez, je tomberai avec vous. Ok. Ne vous inquiétez pas, je ferai attention. Okay, tant mieux, on va faire attention, ouais. Parce que nous avons beaucoup de travail, et je ne veux pas perdre une seule seconde de plus. Je sais que vous avez hâte de sauter dans une armure assistée et d'attaquer l'Institut de front. Mais chaque chose en son temps. Vous devez commencer par vous intégrer en douceur. Puisque je suis officiellement votre mentor... Je préfère continuer sans vous pour le moment. Je viendrai vous chercher plus tard. Comme vous voudrez. Si vous me cherchez, je serai à la cantine. Ok. À la cantine! Okay. Faites cuire une boîte de crème avec un peu de Nuka-Cola, et vous aurez presque l'impression de manger de la vraie nourriture. Ah bon? J'y penserai. Là, essaie maintenant. Rien. Ok, je sais même pas où est Kanigou, depuis tout à l'heure. Ah, c'est là-bas. Content de vous voir enfin, soldat. On peut commencer votre examen médical? Je suis un petit peu en armure... Tant que vous ne comptez pas utiliser du lubrifiant et des gants latex, ça doit pouvoir se faire. Non, ce n'est pas ce genre d'examen. Je vais vous poser quelques questions sur votre état de santé et je vous demanderai d'y répondre du mieux possible. On va essayer. Première question. Lorsque vous étiez enfant, Il n'y avait pas trop de radiation dans l'air avant les bombes. Avant les bombes? Que voulez-vous dire? Laissez-moi consulter mes notes. Vous avez vécu dans un abri? Dans ce cas, vous êtes sûrement en meilleure santé que n'importe qui d'autre à bord. Désolé de ne pas avoir vu ce détail dans votre dossier, mais je dois tout de même vous poser toutes les questions. Bien, on a compris. Deuxième question. Allez, avez-vous déjà contracté une maladie contagieuse ou été en contact avec une personne touchée? C'est une blague, j'espère. Pas le moins du monde. Je suis extrêmement sérieux. Mais vu votre réaction, je pense qu'on peut en conclure que la réponse est non. Troisième question. Et je vous demanderai de me répondre honnêtement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec des représentants d'une espèce considérée comme non humaine? Non, mais sérieux? Jamais, ouais. Non, jamais. Très bien. Dernière question. Cela vous poserait-il un problème d'abattre les ennemis de la confrérie, qu'il s'agisse d'humains, d'individus autrefois humains ou de machines? Aucun problème, non. Aucun. Excellent. Vous n'aurez aucun mal à vous intégrer parmi nous. Excellent. Je pense avoir toutes les informations dont j'ai besoin. Je ne vois aucune raison de vous empêcher de rejoindre nos troupes en service actif. Si jamais vous avez besoin d'assistance médicale, faites-le moi savoir. Bon, ok, apparemment, ça c'est fait.
Ah, je peux ramasser. J'en ai trop, un peu trop abusé. Mais par contre, ça, je veux bien récupérer ça, ça et ça. Quant à faire poche de sang vide. Ah merde, c'est du vide. Vous avez besoin de soins médicaux, soldat. Non, mais j'ai besoin de matos. Voilà. Des nouvelles, peut-être ? Vous avez entendu parler de quelque chose d'intéressant, docteur ? Je n'ai rien du tout, je regrette. J'essaie juste. Ok. Non, merci. Très bien. Si nous voulons conquérir le cœur de la population, nous devons répondre à la doctrine. Est-ce que je peux regarder ? Tout le camp de la police. Jette, couvre tout. Ouais, moi, tant que c'est pas rouge, hein, je prends. Hein. Je suis un beauf tout de tout. Veuillez décliner la nature de l'urgence. Aucune. Hey, le chat. Oh, un rasoir bibliothèque. Voilà enfin. Parfait. Posez les livres où vous voulez. Je verrai ça dès que j'aurai le temps. Quoi ? Vous ne me remerciez même pas ? Pourquoi faire ? Oh, attendez. Il semblerait que je fasse erreur. Ce n'est pas vous que j'attendais. Comme il est évident que vous n'êtes pas la personne que j'attendais, voulez-vous me dire ce que vous faites ici ? Je fais le tour du pré d'Ouen pour prendre mes marques. Pour prendre vos marques ? Ah, je vois. Vous êtes la nouvelle recrue mentionnée dans le rapport du paladin Dance. En temps normal, je me serais fait un plaisir de vous présenter mon service. Cependant, je suis affreusement en retard dans la planification des patrouilles de recherche, et on ne cesse de me bombarder de demandes de documentation technique. Malheureusement, je ne dispose pas du personnel nécessaire pour abattre cette quantité de travail. Ok, alors... Ouais, je pourrais vous donner un coup de main. Je dis directement ça. Ce serait formidable. En patrouillant dans le Commonwealth, essayez de trouver tout ce qui peut être du genre schéma, mémo, manuel, livre, graphique. Bref, tout ce qui contient des données techniques utiles. Je suis en mesure de vous payer pour chaque liasse de documents que vous me rapporterez. Et si vous souhaitez que je vous affecte à une patrouille de recherche, j'en ai encore plusieurs en attente. En tout cas, ça a été un plaisir de faire votre connaissance, chevalier. Ok. Bon. Intéressant. Peut-être voir qu'est-ce que je peux faire. Excusez-moi, connétable Quinlan. Je vous en prie. Finissez d'abord de vous présenter. Ok, d'accord. On présente tout le monde. Que avec le soutien de la compagnie. Alors, on poursuit la mission, soldat ? Ça dépend. Comment ça va ? Les systèmes de mon armure assistée fonctionnent parfaitement. Nous pouvons commencer la mission quand vous... Mais je peux pas lui rendre ma quête ? Aucun problème. Dites-moi quand ce sera bon. Ça pourrait chier si je pourrais pas lui rendre sa quête, lui. C'est qui la femme en armure, là ? On voit qu'elle me regarde. Ouais, elle me regarde. Ouais. Alors c'est vous la nouvelle recrue dont on m'a parlé ? Je vous imaginais différemment. Ah bon ? Vous avez l'air déçu. Non, juste surprise. Vous ne ressemblez pas aux gens des terres désolées qu'on a l'habitude de recruter. Bref, comme vous êtes là pour me rencontrer, débarrassons-nous des formalités. Je m'appelle Ingram, et cette charmante fosse pleine de graisse, c'est l'endroit où vous avez le plus de chances de me trouver. Si votre armure assistée est trop serrée à l'entrejambe, si le prix d'Ouen est sur le point de s'écraser, ou si un robot débloque, c'est moi qu'il faut venir voir. Ok, c'est super. Ouais. On dirait que vous n'avez pas le temps de vous ennuyer. C'est le moins qu'on puisse dire. J'ai du boulot par-dessus la tête. Chaque jour, il y a au moins 5 ou 6 trucs qui cassent sur ce dirigeable. Et avec mon harnachement, je ne suis plus aussi alerte qu'avant. Alors, forcément, le travail a tendance à s'accumuler. Pourtant, vous avez l'air de vous déplacer très rapidement. C'est mieux que si je ne l'avais pas, c'est sûr. Bref, je suis sûre que vous êtes là parce que vous voulez une armure assistée. J'ai une T-60 plutôt correcte dans le hangar 3. Elle est à vous. Le servomoteur de la jambe gauche déconne un peu, mais elle devrait vous protéger des sales bêtes. Et si vous avez besoin de la réparer, n'hésitez pas à utiliser nos ateliers. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois me remettre au boulot.
Ok, merci à vous, madame. Maintenant, on va voir ça. Oh, tiens, les armes. Ouais, on va voir ça plus tard. Ah, le scotch, je prends bien le scotch. Ouais. Les synthétiques qui ressemblent à des humains sont les pires. Ah, oh, du scotch de qualité militaire. Oh my god. Ah, ouais, je veux bien le scotch, ouais. Boule de scotch. Le mec qui veut du scotch partout, c'est du scotch. Non, vaut mieux pas prendre ces trucs enfin dans le véhicule. Câble de chat. Oui. Oh, de la colle miracle. Oh chouette. De la colle miracle. Ah oui. Ah, c'est pas un gâcheux. Bon, je vais laisser le truc. Ok. J'attends en argent. Pensez toujours à mettre une autre balle dans la tête de votre cible, même si elle a l'air morte. Pourquoi prendre le risque? Ah ouais. Approchez, chevalier. J'ai beau être enfermé dans cette maudite cage, je vous promets que je ne mords pas. Ah bon? Tu mords pas? C'est sûr? Parce que, franchement, j'ai peur des morsures. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ça n'a pas l'air très confortable. Ça pourrait être pire. Vous êtes ici au dépôt de stockage, et comme vous l'avez sûrement deviné, je suis le connétable Tigan, l'intendant du prix Dwayne. Les hautes sphères m'ont collé ici pour que je puisse surveiller les biens de valeur de la confrérie. Si vous avez besoin de matériel avant de partir en mission, c'est ici que vous pouvez en acheter. Ok. C'est bon à savoir. Heureux que vous soyez d'humeur égale. Quand je dis aux nouvelles recrues qu'elles doivent acheter leur propre équipement, la plupart me lancent des regards noirs. La bonne nouvelle, c'est qu'avec cet afflux constant de capsules, je peux aussi acheter tout ce que vous m'apportez. Ah, je m'intéresse surtout aux armes. Mais du moment que c'est utile, je prends. Bien sûr, okay. Si vous cherchez juste à vous faire quelques capsules en plus, je pourrais avoir du boulot supplémentaire à vous confier. Ça, c'est bien, ça. J'ai toujours besoin de capsules. Vous avez besoin de capsules, et moi je veux que vous les dépensiez ici. On est fait pour s'entendre. Ça demande juste de faire un peu de travail physique et d'interagir avec les fermes du coin. Et comme je suis coincé ici à m'occuper de ce zoo, j'ai besoin que quelqu'un s'en charge à ma place. Quand vous aurez rencontré tout l'équipage, on pourra discuter des détails. En attendant, si vous avez besoin d'autre chose, une arme, un module ou même des munitions, faites-moi signe. Ok. Donc ça, c'est terminé. On va quand même mettre la quête, normalement. Bah tiens, c'est ça, je crois. C'est pas de quartier, je crois. En service. Ah bon, c'est fini. Je vais lui parler, normalement. La quête est finie. Connétable. De quoi vous avez besoin aujourd'hui ? Non plus sur ce boulot supplémentaire dont vous avez parlé. Difficile de résister à l'appel des capsules, hein? Comme on dit, on ne peut pas gagner une guerre le ventre vide. Nos réserves de nourriture ne se remplissent pas toutes seules. Alors j'ai besoin de jambes pour faire la tournée des fermes de la région. On va réquisitionner une partie de leur récolte, et j'ai besoin que la nourriture soit mise en caisse et prête à être embarquée par l'équipe que j'enverrai. Votre mission consiste à nous garantir la coopération des fermiers, par tous les moyens nécessaires. Ok. Par tous les moyens nécessaires? Vous voulez dire que vous me donnez carte blanche? Ah, tout à fait. Comme on dit, s'ils ne sont pas avec nous, ils sont contre nous. Vous vous sentez capable de vous en charger? Ouais. Ça marche. Parfait. Voilà la ferme. Vous ne devriez avoir aucun mal à convaincre une poignée de civils. Excusez-moi, connétable Tigan ? Si ces fermiers vous causent des ennuis, j'imagine que vous savez quoi faire. Vous avez quelque chose de spécial ? J'ai quelques modules sur lesquels je travaille. C'est un de mes passe-temps favoris, mais attention ! Ajoutez-en quelques-uns à vos armes, et je vous...
Ok, on va jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose bon, qui vous là, plaira. Je regarde, là, je regarde, voilà. trop vite fait. Cabine de combat. Tac, tac, sniper. Ouais, je crois que ça, je vais lui vendre. Ouais, j'avais un petit peu de cash. En fait, non, j'ai pratiquement rien si. Non, ça. Bric-à-brac. J'aimerais bien lui vendre quelque chose à de l'argent de guerre. J'ai que ça, sérieux. Silencieux. C'est quoi ça? Minigun Broyeur Tactique. Il a une gueule. Ok. Aussi font les armures, intéressant, tac tac. Châssis d'armure assistée. Oh my god! Can 1800! Oh my god. Craquant sacrin. Ah merde. Il a pas ce que je veux en fait. Bon ben. Donner ça, donc voilà. Bon, ça c'est fait. On va voir le chercheur là. Ah, chevalier, vous avez des documents techniques pour moi, peut-être, ou voulez-vous aider une patrouille de recherche? J'ai trouvé des documents techniques pour vous. Ce ne sont pas des documents techniques. Je n'ai pas de temps à perdre, soldat. Ok, bon. Connétable Quinlan. Ah, chevalier. Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être. Ou voulez-vous aider une patrouille de recherche? Participer à une patrouille. J'ai le temps d'aider une patrouille. Excellent. Les vrais scribes ne connaissent jamais le repos. Il y a toujours plus de savoir à compiler. Le scribe vous attend au sol. Juste en dessous de nous. Votre mission consiste à assurer sa protection. Je n'imagine même pas l'éventualité que vous puissiez échouer. Ok. Bon, ça c'est fait. Bon, j'ai vu machin. Ok. Bon, on va faire une petite halte. Je reviens. C'est vous le nouveau chevalier dont on m'a parlé? Oui. C'est un plaisir de vous avoir dans notre équipe. Et me revoile de retour. L'aile. Quelqu'un? Bonjour. Ah, je te remercie. Hein. Moi, je. Bon, on va pas le PC par contre, mais. Si c'est pour récupérer une arme ou deux, moi je dis pas non. Pas moyen de crocheter. Ok. Coque chez moi. Ah, là c'est rouge en vérité de. Bon, on va dire que c'est une zone réservée. On va pas toucher un iota d'une chose. Je vais quand même visiter un peu le dessous, parce que j'ai visité le dessus. Voir qu'est-ce qui se passe en bas. Apparemment, il y a un scribe. Ah, il y a que là, ça je prends. Bon, enfin, c'est pas grand-chose. Donc ça, c'est, ouais, c'est où il y a vers la soute et tout, donc c'est les bagages. Donc voilà, bon, mais je pense que j'ai fait le tour du navire. Je peux plus là pas le rendre la quête que j'ai fait. Je sais pas pourquoi je peux pas le rendre. Peut-être que maintenant il fait partie de mon groupe ou autre, je sais pas. Donc là il faut descendre par là. Ok. Ça fait quoi si je descends par là? Ah ouais, ça c'est le pilote, ok. Je vais composer PSOI pilote. Ok, ça remplace pas ça. Crin, mission radouée. Dix. Pas Dix. Je prends. Oh! De comme soigner. Pas mal ça. C'est pas mal du tout, hein. Franchement, c'est gentil, il fallait pas. Ouais, il me reste pas grand chose pour monter de niveau, tiens. C'est fantastique.
Resserrez la... Essayez de rester à l'écart des ghouls sauvages. Ok. Ah. La moitié maintenant. Vous voulez le faire ? Non, non, vous y êtes presque. Lol. C'est bon. Merci, Scream. De rien. He's joke. Ah, il est là, tiens. Le général est là. Maintenant que vous avez fait connaissance avec l'équipage du Pridwen, je pense qu'il est temps de vous confier votre prochaine mission. Ok. Ouais, passez l'action. Ordonnez et j'exécute. Je salue votre enthousiasme, chevalier. Entrons dans le vif du sujet. Regardez là-bas. Vous voyez ? C'est Fort Strong, un nid de super-mutants. Ces aberrations de la nature sont si proches que je peux presque les sentir. Ça me donne la nausée. Pour ne rien arranger, ils ont mis la main sur un très gros stock de munitions de Fat Man. Nous devons nous en emparer. Je veux que vous alliez sur place, que vous éliminiez tout ce qui bouge et que vous récupériez les munitions. C'est compris ? Ce fort, attendez. Je crois que j'ai déjà visité ce fort. À quoi servent ces munitions ? Le lance-missile Fat Man est un élément essentiel de l'arsenal offensif de la confrérie. Il permet de lancer des charges nucléaires miniatures tout en restant transportable par un seul individu. Une escouade entière armée de ces bijoux serait virtuellement invincible. Si vous avez un jour l'occasion et le plaisir d'en utiliser un, permettez-moi de vous donner un conseil. Ne le déployez jamais en combat rapproché, sans quoi vos frères et sœurs de la confrérie ne pourront même plus vous ramasser à la petite cuillère. Ça suffira ? Ouais. Ok. Comme si c'était fait. Comme si c'était fait. Je comprends que vous ayez envie d'attaquer l'Institut tout de suite, mais la confrérie ne peut pas laisser un tel arsenal nucléaire dans les griffes de ces abominations. Un vertiptère lourdement armé a été préparé. Il n'attend plus que vous. Prenez-le et allez montrer aux mutants de Force Strong que la confrérie n'est pas là pour plaisanter. Rompez. Ok. Bon, je crois que... Combien j'ai de poids sur moi ? Tout dépend le poids combien qui me reste. C'est limite, hein. C'est très 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 limite, mon poids. Mais bon. Ok. Bon. Je suis monté dans l'hélicoptère, là. Un nouveau poste. Ok. Il paraît que l'Enemaxon a reçu la balafre qu'il a au visage en se battant seul contre un écorcheur. Eh ben dis donc. Je n'ai pas de temps à perdre quand il y a du travail. Ok. En l'occurrence, t'es pas au travail là, si, non ? Oui. Ok. Emportez toujours de la nourriture. N'oubliez pas la Sainte Trinité. Le doute qui voulait pas. Ceci est. Si vous n'êtes pas là pour une raison officielle, je vais vous demander de partir. Sergent Gaville. Ne nous gênez pas. Notre planning est très chargé aujourd'hui. Ah bon ? Ok. Il est pas très très commode, le sergent. Bon. Il est pas vraiment vraiment commode. Voyons qu'est-ce que je peux faire maintenant. Pas de quartier, monter à bord du vaisseau. C'est ce que j'ai fait et ça m'est descendu en bas. C'est peut-être l'autre. On sait jamais. Ok. Ok. Purge Commerce, ok, on trouve pas de. Ok. Ça on fera plus tard. Ouais, mais ça, je sais pas. Ça me dit d'aller voir le paladin, mais bon. Ouais. Ça marchera pas vu qu'il est maintenant avec moi et voilà quoi.
Oui, on va voir où je pourrais aller maintenant. Ok. Cet endroit sert à que dalle. Oh le fou. Ah bah je retourne à... Ouais je retourne à Boston là, au truc étudiant là. Ok d'accord. Oula. Bon comme j'ai plus que 7 énergie, cette armure je crois que je vais pas rentrer à la maison. Je vais quand même regarder ce dîner et après j'y vais. J'ai déjà pitié en plus. Ah si si si, je crois que j'ai visité je crois un seul coup. Ouais, j'ai visité parce qu'il n'y a plus de coffre. Donc ça c'est visité. Ah fuck. Non, je l'ai pas visité. Si on... Il y aura plus la colle misc. Là, tac tac. Ça va. La colle. Merde. Je vais s'appuyer sur. Merde, c'est pas ça que je voulais. On rentre dedans. Ok, un truc d'armes, armure, ok. Donc voilà. On va y un peu partout là vite fait. C'était un truc pas lumière, tiens. Encore de la colle, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Oh, du scotch. Oh pétard, je vais pouvoir améliorer mes armes et tout, c'est fantastique. Enfin du moins je pourrais améliorer certains trucs. Ça je me dis pas non aussi. De toute façon il en faut que j'en donne un au monsieur qui est dehors là-bas. Le pauvre. Donc voilà, t'as. Tac. On passe par là. Attendez, c'est pas là où si j'ai défoncé les méchants pavots là qui faisaient courir des pauvres robots tout autour d'une piste ou je sais pas un truc comme ça je crois. Si c'est ça je crois. C'est bien cela je crois. Je crois qu'ils sont morts aussi. Plutôt RAM plutôt. Ah oui, je me souviens bien, j'ai tout. Ouais,
c'est pas mal de repasser par un endroit où vous avez... Quoi ? Liquidez-les ! Quoi ? Quoi ? C'est quoi ces mecs là ? C'est des pillards, ok. Mais pirate, t'as choisi ton mauvais moment pour venir ici. Hein. Parce que je suis de mauvaise humeur là, je t'ai mis une balle, une cartouche chacun là. Avant sentit le coup hein, de l'arme. Saleté de pillard qui attaque. Enfin, de toute façon, je leur reproche rien, ils se servent. Quoi ? Une clé mix, ok. Mais que ça sert à que d'elle ce machin. C'est vrai que je vais tout ramasser ici. Du moins j'ai ramassé tout ce qui m'est intéressant. Donc là ça c'est pour aller là-bas. Ok. Bon. Mais je crois que je vais faire un type. Je vais faire déjà une sauvegarde. Et je vais TP à la maison. Et je crois que quand je serai là-bas, ce sera la fin de l'épisode. Donc vaut mieux que je vous dis à plus tard maintenant ici. Donc je dis à plus tard pour un autre épisode de Fallout 4. Donc voilà, c'était Guncho. Bye bye.